J'ai choisi comme sujet les trois ordres parce que les trois ordres constituent une image idéale de la société qui a été présente pendant presque 1000 ans dans l'imaginaire européen. C'est-à-dire que les Européens, de la Catalogne à l'Angleterre, de Prague à Paris, se sont pensés, se sont imaginés, se sont représentés sous la forme de cette tripartition où les hommes seraient rangés les uns au-dessus des autres en trois catégories. Les clergés, ceux qui prient, la noblesse militaire et un tiers-état dont la fonction était de travailler pour produire de la richesse et pour nourrir l'ensemble de la société. Aujourd'hui encore, cette image n'est pas complètement disparue. Elle hante notre imaginaire et elle nous rappelle que l'égalité dans laquelle nous vivons et que nous revendiquons jour après jour, elle est fragile et elle est le fruit d'une conquête séculaire.